Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Tonton la Lumière. Et les amis, j'ai déjà un petit coup de gueule. Vous savez que j'ai souscrit à une nouvelle offre sur Shadow PC. Et ben, je me demande si je suis pas en train de regretter mon choix. Parce que aujourd'hui, j'ai attendu 20 minutes, 20 longues minutes de pouvoir me connecter à Shadow PC en rentrant après mes occupations. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, c'est un jour férié, je ne travaille pas, heureusement. J'ai vaqué à mes occupations, je rentre vers 18h et je me dis, ben, je vais me connecter un petit peu à Shadow PC. Et j'ai dû attendre 20 minutes. Là, vous dites, mais c'est rien, mais si, 20 minutes c'est énorme. Quand tu bosses, quand t'es pas chômeur, hein, et que tu as du temps libre, imaginons que ça serait arrivé un jour où je travaille. 20 minutes d'attente, c'est énorme. 20 minutes d'attente, c'est énorme aujourd'hui en 2022 d'attendre 20 minutes pour se connecter à un truc sur Internet, c'est énorme. Je veux dire, on est toujours occupé, on travaille et tout. On paye pour un service qui doit fonctionner au moment où on souhaite l'utiliser. Ils ont augmenté leur prix de 15 euros pour qu'on puisse avoir une nouvelle config correcte. Parce que leur ancienne config, elles étaient à la ramasse. Hein? Et ils n'ont pas les serveurs qui suffisent pour maintenir assez de connexion pour tous les gens qui ont commandé Shadow simultanément. Ben alors, à ce compte-là, tu ne promets pas Shadow à tout le monde. Tu donnes des Shadow que pour ce que tu as la capacité de faire tourner. Ça veut dire qu'ils nous vendent plus de produits qu'ils n'ont la capacité de faire tourner. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on te vende, par exemple, je ne sais pas moi, 10 places de cinéma, s'il n'y a que 5 places dans le cinéma, tu vois. Et qu'on te dise, ben, dès que les gens ils seront partis, s'ils partent, vous irez vous asseoir. Non, c'est pas normal. Voilà ce que ça m'a mis quand j'ai voulu me connecter. Alors, ça allait me rester 19 minutes à attendre. J'ai attendu en gros 20 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Et ce n'est pas normal qu'on nous oblige à attendre pour un produit qu'on a payé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les nouvelles offres, il y a de nouveaux abonnés et qu'il n'y a plus assez de place sur vos serveurs. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va être le week-end ou qu'on va être un jour férié, et ben, en début de soirée ou en fin d'après-midi, il va y avoir trop de monde. On ne pourra plus se connecter. Hein? Donc si tu as envie de te détendre après le boulot pour te connecter 2 heures, regarder Netflix ou quoi que ce soit, ben on pourra plus. Alors qu'on a payé pour ce produit. C'est ça que ça veut dire? Donc dites-moi si vous aussi vous avez eu des problèmes avec, Shadow. En tout cas, j'espère que leur problème de surcharge, ça va être réparé. Hein? Parce que si vous, comme moi, vous vivez dans une région fortement fréquentée, et ben du coup, vous allez vous retrouver à avoir le même problème que moi. Et ce n'est pas normal au prix qu'on paye le truc quand même. Avec l'extension disque dur et tout, j'en ai pour 55 euros par mois. 55 euros par mois, je suis en droit de pouvoir me connecter au produit que j'ai demandé. Merde!